Tranquille pour Entre. être rempli de ton esprit, pour être Rempli de ta ouvert de grâce, ta rempli lumière, de Seigneur, pour être délivré, ton Papa, bonheur, Seigneur, de ce que tu nous donnes, de ce qui Seigneur, entre Père de dans ce gloire. monde, Papa. Ô Nous voulons, Père Papa, de de ta gloire, nourriture, merci la pour ta nourriture grâce, de Seigneur. notre pour nos Sois âmes, loué, Seigneur, Seigneur. sanctifié, Et Papa. aussi pour Merci pour ta intercéder, Père céleste, prier pour nos familles, pour tout ce amis, que tu alliés. fais. Seigneur, Ô Père, que ton tu es bon, salut tu es merveilleux. Tu partage prends nos soin cœurs. de nous, Seigneur. Tu nous nourris, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, Père En céleste. possession de la bouche Oh, de merci, Seigneur, Dieu, pour moi. pour Merci, que tu Père puisses céleste. apprendre de toi Merci et parce de que tu es connaître bon, ton tu es profondeur. merveilleux, Papa. Tu nous Toi qui conduis. nous aimons, Papa, de Oh, tout notre cœur, alléluia, de toute Seigneur, notre Père de force, de gloire. notre Alléluia, force, de notre alléluia, pardonner. Maranatha, Seigneur. Seigneur, nous te Fortifie et remercions pour tout ce que tu manifeste fais, ton cœur, Seigneur. Seigneur, et offre Oh, mes frères alléluia, Papa. et sœurs. Merci Merci, pour toutes ces Seigneur, mon grâces et roi. grâces que Merci, tu veux Seigneur, pouvoir mon nous roi. donner. Et merci encore pour ce La bien que tu grâce, vas nous faire Seigneur, aujourd'hui, dans nos en vies, te montrant Seigneur. que tu vas Oh, encore Père ce matin céleste, nous qui est remplir de comparable toi, à de toi, toi Seigneur? encore, Qui de est toi comparable à toi, toi. Une fois que nous Seigneur? parlons Oh, ensemble, Père une de fois qu'on bonté, fait de paroles, tu une prends, fois qu'on Seigneur, fait Père de de paroles, gloire, Seigneur, se le manifeste contrôle de encore toutes mieux choses, de Seigneur, dans gloire nos qui vies va te encore, Papa. encore Alléluia, parler Seigneur de toi. Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, sois loué, Seigneur, sois glorifié, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, mon roi, pour tout ce que tu fais. Alléluia, Papa. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Père Céleste. Oh, merci, Seigneur, mon roi. Tu es merveilleux, Papa. Juste un mot. Alléluia, merci, Seigneur, Père Céleste. Sois loué, Seigneur, sois Nous glorifié, voulons te Papa. remercier. Alléluia, Papa. Nous voulons demeurer à tes pieds. Conduis-nous, Demeurer à Seigneur. tes pieds, Seigneur, Père de gloire. Deux Amen. secondes, on a perdu Antonio et Angela. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec leur ordinateur, donc juste un moment. Alléluia, merci Seigneur, Père Céleste. Oh, Père de gloire, Père de bonté. Alléluia. Seigneur, merci Père de gloire. Je me reconnecte juste avec les frères Angela. Et je suis à vous dans une minute. Voilà. Merci. Ah, alléluia. Antonio et Angela, vous m'entendez? Je pense qu'ils nous entendent maintenant. Ah oui, je t'appelle. Voilà. Ah. Donc, faites attention, Génial. Antonio, Angela, ne fermez pas cette fenêtre, s'il vous plaît. D'accord. D'accord? Pour l'instant, je vais rester connecté avec vous. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, que le Seigneur soit béni. On va pouvoir commencer la réunion, tout simplement.
passé a été cloué. Je ne veux plus y retourner. J'irai là-haut. J'irai là-haut parmi les anges. Près des palmiers me consoler. Papa, un grand merci. Merci, mon roi. Dire à Yoshua un grand merci. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour notre vie. Seigneur, toi qui nous gardes, Seigneur, à chaque instant, Seigneur, Père éternel. Toi qui gardes chacun de nous, Seigneur, et Yeshua, Père. Toi qui nous donnes, Seigneur, des témoignages de vie, Seigneur, Père. Pour pouvoir soutenir, Seigneur, Père, ceux qui sont abattus, Seigneur, oh Yeshua. Comment ne pas t'adorer ce soir? Comment ne pas te louer ce soir? Comment ne pas te dire merci, Seigneur, Père? Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, Seigneur. Père. Et nous puissions, Yeshua, Père. Merci, Seigneur, Yeshua. Merci, Père. Alléluia. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, nous adorons le roi, adorons.
Mais le Seigneur nous a rachetés parce que c'est notre Rédempteur. Il a utilisé son droit de rachat. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Merveilleux Seigneur, mon Rédempteur, merveilleux Seigneur. Partager, bien même quelque chose qu'il a reçu pendant la semaine. Alléluia. Sentez-vous libre. N'oubliez pas d'enlever votre micro si vous voulez. Il n'y a personne? Il y a un chant?
Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Seigneur. Alléluia. Avant de dire ce que j'ai vu, ce que le Seigneur m'a montré ici, parmi tous, je vais essayer de chanter un petit chant que j'ai reçu hier matin. Dès que je me suis réveillé, j'entendais ce chant qui résonnait dans ma tête et dans mon cœur. Alléluia, gloire au Seigneur. Que vraiment toute la gloire revient au Seigneur. Amen. Ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas. Ta grâce nous suffit. Ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas. Tu es le commencement et la fin. Oh papa, ya ya. Ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas. Tu es le berger de nos âmes. Oh papa, ya ya. Ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas. Nous régnerons avec toi. Oh papa, ya ya. Ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas. Oui, ta grâce nous suffit. Oh ya ya, papa. Ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas. Tu es le commencement et la fin. Oh ya ya, ya ya. Ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas. Oui, nous régnerons avec toi. Oh papa, ya ya. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, alléluia. Ton amour ne passera pas. C'est ça, alléluia. Alléluia. Donc, alléluia. Ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas. Et puis après, c'est ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit, hein. C'est ça. J'ai essayé de trouver les notes, hein. Tu vas me dire si c'est bon, hein. Alléluia. Ne passera pas. Ton amour ne passera pas, ta grâce me suffit, Joshua. Ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas, ta grâce me suffit, oh Yeshua. Ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas, ta grâce me suffit, oh Yeshua. Ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas, ta grâce me suffit, oh Yeshua. C'est ça? Amen, alléluia, alléluia. 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 On peut l'apprendre tous ensemble. Alléluia. Le frère a reçu ça hier, c'est pour nous tous aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. On va essayer de la chanter alors. Hein. Donc vous êtes prêts? Alléluia. Ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas. Grâce me suffit, oh Yeshua. Ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas. Ta grâce me suffit, oh Yeshua. Ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas. Ta grâce me suffit, oh Yeshua. Ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas. Ta grâce.
Les lignes à la fin, on dit comment, c'est comment? Bolingo, iko le kate. Bolingo, iko le kate. Bolingo, no, iko le kate, hein, c'est ça? Iko le kate, c'est ça. Bolingo, na yo, iko le kate. Bolingo, bolingo, na yo, iko le kate. Ah, mais comme la phrase est longue, on fait no. No, voilà. Il faut couper, il faut contracter. Je peux aussi essayer en Douala, Cameroun. Ah oui, aussi, oui, bien sûr. Alléluia. Les nations. Dolango estima tomba. Dolango estima tomba. Dolango estima tomba. Dolango estima tomba. Yeshua. Alléluia. Il faut les clics là. On va dans les deux langues alors, Lingala et puis voilà. Tu peux l'écrire aussi, hein, comme ça on sait bien prononcer. D'accord. Bon, Bolingo, d'abord. Bolingo, Lingo, et que les kate. Bolingo, et que les kate. Boluna, yo, et coquina. Oh, Yeshua. Bolingo, bolingo, no. 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 Dolango estima tomba. Dolango estima tomba. Dolango estima tomba. Dolango estima tomba. Amour. Dolango. Oui. Alléluia. Ton amour le passe. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Ton amour amen. Ne passe amen, pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut écrire sur le chat? Seigneur. Mais nous sommes tous unis par la langue de Yeshua. Maché. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut écrire sur le chat? Je vais essayer en anglais. Amen. Donc, ton amour ne finira, c'était quoi encore? Ne passera pas. Your love will never, what? Mm. Comment on dirait? Your love shall not pass. Your love shall not pass. Love shall not pass. Your love shall not pass. Your grace, oh my Lord, will stay forever. C'est ça? Oui. Yeah. Alléluia. Amen. Your love shall not pass. Your love shall not pass. Your grace, oh my Lord, will stay forever. Ne finira jamais. Lolongo, veut dire bolingo. Ok. Lolongo.
Alléluia. En italien, oui. Ben, c'est qui c'est qui oui. C'est oui, en fait, on dit comme ça. Il faut mourir et ne pas se ramener. Et toi, mon hein? Ça, c'est en italien. Non, vas-y, en italien. Ça, c'est en italien. En fait, je voulais savoir le deuxième couplet. C'était quoi? La grâce dans nos cœurs, c'est ça? Ta grâce me suffit. Oh, alors, OK. Et toi, mon rêve, non pas, c'est ramai. Et toi, mon rêve, non pas, c'est ramai. La toi, grâce. Mi bastera. Alléluia. Oh Seigneur. Et toi, mon rêve, nous passerons. Ma la foi, grâce, mi bastera. Yeshua. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Je peux écrire ça. Hein. J'écris amen, ça. Amen. Bon, on va essayer alors. On va essayer de faire en. Bon, on va commencer en français. Et puis, on va essayer de faire lingala. Et. Attends, je vais réécrire parce qu'apparemment, ça n'a pas bien écrit. Et le créole. Et le créole, oui. Et le créole. J'écris aussi en italien. Moi, maintenant, c'est ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas. Ta grâce me suffit, oh Yeshua. Ton amour ne passera pas. Ton amour ne passera pas. Ta grâce me suffit. Passera pas, mon amour ne passera pas, ta grâce me suffit, oh Yeshua, bolingo no kate, bolingo no kate, bolingo no kate, oh Yeshua. Mal écrit. Bolingo no ikolekate. Bolingo no ikolekate. Oh Yeshua. Bolingo no ikolekate. Bolingo. Bolingo no ikolekate. Ikolekate. Bolunga yo. Oh Yeshua. En italien, c'est écrit. Tu amore non passera mai. Tu amore non passera mai. La tua grazia mi basta. Oh Gesù Cristo. Tu amore non passera mai. Tu amore non passera mai. E la tua grazia mi basta. Alléluia, alléluia, alléluia. Un vent italien, oh Seigneur, alléluia. Merci, alléluia, pour ces chants. Alléluia, là il manque le créole maintenant, là, on va chanter ça. Vas-y, c'est quoi les paroles? Voilà, donc il dit, en créole ça dit, on dit ton amour ne passera pas, l'amour va au péché passé. Hein? Tu oh, peux dire? L'amour va au péché passé. L'amour a au péché passé. L'amour a au. Est-ce que tu peux écrire sur le chat? L'amour a au péché passé. Jardine va écrire. L'amour a au péché passé. L'amour elle a. Elle a au. Alléluia. Trop beau en italien, ça donne bien. C'est magnifique. Pardon, en quoi? En italien? En italien. Oui, ça donne trop bien. Vraiment. Là, il faudra la chanter dans toutes les langues, hein, cette chanson. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Voilà, on la recommence un peu en italien. Et après, on fait en créole. Alléluia. Amen. Oh,
En fait, le frère, c'est. En fait, toi, tu as fait ça très bien, quoi. En fait, si on s'est enregistré. Ah, gloire au Seigneur, bon, on va essayer. En fait, tu sais, tu as coupé le R. En fait, tu fais I toi mort, non pas c'est Ramay. En fait, c'est très bien. Ah, même, c'est vraiment, c'est ça. C'est ça qu'on va faire. Hein. D'accord. L'amour en péché passé. L'amour en péché passé. L'amour en péché passé. Alléluia, alléluia. L'amour au péché passé. L'amour au péché passé. Grâce à l'homme qu'a souffri nous, oh Jésus. L'amour au péché passé. L'amour au péché passé. Grâce à l'homme qu'a souffri nous, oh Jésus. L'amour au péché passé, grâce à ta souffrance, oh Yeshua. L'amour n'a pas fait la main, l'amour n'a pas fait la main, à la croix, à mi oh Jésus-Christ. Alléluia! Il t'a passé la main. Il t'a passé la main. Et la tua grâce mi basta. Oh, Jésus! L'amour au péché passé. L'amour au péché passé. Grâce à grâce fino. Oh, Jésus! Oh Jésus, ton amour ne passera pas, ton amour ne passera pas, ta grâce ne suffit, oh Jésus, tes amour ne passera pas, tes amour ne passera, et toute grâce est suffisante, oh en portugais. Teu amor não passará mais, teu amor não acabará, tua graça é suficiente, oh Yeshua. Aleluia! Teu amor não passará mais, teu amor nunca passará, tua graça é suficiente, oh Yeshua. Aleluia! Ton amour ne passera pas, jamais Seigneur, ta grâce me suffit, oh Yeshua, ton amour ne passera pas, jamais Seigneur, ton amour ne passera pas, oh Seigneur, ta grâce me suffit, oh Yeshua, ton amour ne passera pas. Passera mai, tua grazia mi basta, oh Yeshua, l'amour a péché passé, l'amour a péché passé, grâce à ta suffisance, oh Yeshua, alléluia, alléluia. Ta grâce me suffit, oh, me suffit, oh, me suffit, oh, me suffit, oh, me suffit. Oh, Yeshua. Allez.
Amen. 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 Alléluia. Parce que tu l'as dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Père de gloire. Merci, oh, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur Yoshua. Alléluia. Merci, Seigneur Yoshua. Alléluia. Ouf. Amen. Là, il faut écrire tout ça. Hein. Amen. C'est trop magnifique. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Je voudrais dire, je remercie encore le Seigneur. Le Seigneur lui-même danse avec nous. Les anges dansent. Je vous dis, je suis toujours sur cette... je ne sais même pas comment expliquer ça, parce que je viens de recevoir une nouvelle langue ici chez moi. Là, je ne peux pas expliquer, mais tout mon corps est chaud jusqu'à bien ma tête. Et j'ai vu le Seigneur, il danse, les anges dansent, même tous les animaux, même les fleurs, même les plantes qu'il y a là-bas, là, ça bouge, frères et sœurs. J'ai vu ça là-haut. Wow, qu'est-ce que le Seigneur vraiment est dans la joie lorsque ses enfants le louent avec un cœur sincère. Qu'est-ce que le Seigneur vraiment est content. C'est magnifique. C'est magnifique. Je voudrais vraiment le glorifier, le louer encore. Le dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Tout ce qu'il nous donne. Amen, amen. Papa, merci. J'ai vu un grand lac, j'ai vu de l'eau. Il y a quelqu'un ici qui est au milieu de ce lac. Et dans ce lac, il y a un serpent. Dans ce lac, il y a comme un royaume. Ce n'est pas de Yeshua, c'est un autre royaume. Il est obscur, il est séduit. Et j'ai vu cette personne dans l'eau. Cette personne sort sa main à Kiosko, mais on la replonge dans l'eau. Elle essaie de s'en sortir, mais elle n'y arrive pas. Il y a une personne ici, précisément, qui est dans ce cas-là ici. Et en ce moment, précisément, tu ressens ça dans ton cœur. Tu sais qu'il faut sortir, mais tu n'y arrives pas. Tu es déjà appelé au secours, mais tu n'as pas été secouru. Et tu veux t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu ne regardes pas au Seigneur. Il faut que tu regardes au Seigneur totalement. Si tu cries, crie vers le Seigneur. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur veut te délivrer. Mais tu jettes tes yeux là où il ne faut pas. Et le Seigneur veut te délivrer, il dit. Et si ici tu veux en parler, tu peux en parler. Si tu veux qu'on prie, on peut prier. Ne reste pas comme ça. Parce que si tu restes comme ça, lorsque le Seigneur reviendra, tu seras mis de côté. Tu ne pourras pas partir dans cette situation-là. Il faut que tu parles. Il faut que tu cries réellement. Il faut que tu te fasses violence parce que tu n'arrives pas à te faire violence. Il le faut absolument. Si tu veux réellement habiter et avoir cet héritage que le Seigneur dit, car il a dit qu'il va nous préparer et nos places. Et s'il n'en était pas, il nous l'aurait dit. Mais c'est la vérité. Il faut garder ta place. Le Seigneur t'a donné cette place. Garde-la. Il y en a beaucoup qui la perdent. Nous sommes dans ces derniers temps où la foi est comme bâclée. Et il ne faut pas que tu puisses rater. Il ne faut pas que tu puisses rater cela. C'est une grande gloire. La grande gloire à venir. La plus grande gloire qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais été d'ailleurs. Elle arrive. Prie au Seigneur.
Libère-toi. Libère-toi. La famille en Yeshua, nous sommes là pour être au service des uns des autres. Et le Seigneur nous a établis. Prêtres, pasteurs, prédicateurs, docteurs. Chacun a des dons et des talents. Et nous sommes au service des uns des autres. Lorsque quelqu'un va mal, tout le corps va mal. Tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin d'être libéré. Si tu veux parler, tu peux prendre la parole. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur veut que tu cries. Alléluia. Bonsoir, frère et sœur. Ben, en fait, mon frère, vraiment, tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qui se passe dans ma vie, vraiment. Et hier, j'ai parlé à la sœur Kaïba aussi parce que j'en pouvais plus. Et c'est vraiment tout ce qui se passe en ce moment. Et là, mon cœur, il bat trop. Je me sens pas bien. C'est que le Seigneur est en train de te libérer. Crie au Seigneur. Appelle-le par son nom. Yeshua, appelle-le. 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 Libère-la au nom de Yeshua maintenant. Tu ne parles pas en fait. Maintenant, libère-la complètement, totalement. Au nom de Yeshua, que la sirène des eaux et ses esprits de séduction te lâchent totalement. Maintenant, lâche-la, quitte-la. Quitte-la. Quitte-la, quitte-la, quitte-la à l'appel Yeshua par son nom. Quitte-la, quitte-la, quitte-la. Yeshua nous a donné son nom, nous a donné son autorité. Il nous a donné ce mandat de pouvoir aller vers les nations, faire de disciples. Quitte-la au nom de Yeshua. Quitte-la, 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 sors, 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 sors au nom des choix, sors, sors, elle n'en peut plus, elle ne veut plus, aujourd'hui, tu la lâches maintenant, au nom des choix, complètement, lâche ta vie, lâche ta vie maintenant, lâche ta vie, lâche ta vie, lâche ta vie, elle n'en peut plus, au nom des choix, lâche ta vie, lâche ta vie, sors, au nom des choix, sors, 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 tout accompli, Seigneur. Maintenant, au nom de Yeshua, la mort te lâche, la mort te lâche, la mort te lâche, cet esprit de mort te lâche, au nom de Yeshua. Yeshua, ma chère, merci Seigneur. Aucun nom peut te résister, aucun autre nom, Seigneur, seul ton nom, seul ton nom, Seigneur, la mort s'en va, seul ton nom nous sauve, Seigneur, mon Père, merci pour ma soeur, Seigneur, aucun nom n'est au-dessus de ton nom, aucun nom n'est au-dessus de ton nom, Yeshua, oh Père, merci pour ma soeur, Lord, Seigneur, merci pour ma soeur.
L'esprit d'Elohim se trouve aussi dans la liberté. La liberté. La liberté. L'amour m'a délivré. Je suis ton enfant. Yeshua. Yeshua. L'amour bannit la crainte, Lord. Alléluia. Il y a ce passage qui m'est venu pendant qu'on priait pour toi. On va essayer de le trouver. C'est dans le livre de 1 Jean. L'amour parfait bannit la crainte. Je vais tâcher de partager l'écran aussi. Merci Seigneur. J'ai l'écran. 1 Jean 4, 18. Merci. Donc 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, parce que la peur implique un châtiment. Et celui qui a peur n'est pas rendu parfait dans l'amour. Amen. La crainte, il y a deux mots, on a parlé de ça la dernière fois, il y a deux mots pour parler de la peur dans l'Ancienne Alliance, dans les Écritures. Et en fait, il y a le même terme est employé pour crainte, et le même terme hébreu est employé pour crainte et pour peur. Et la crainte, c'est bien sûr la crainte qu'on a de notre papa, qu'on a de notre Seigneur. Cette crainte, il faut la voir, bien sûr. Mais ce n'est pas la peur que Adam a eue lorsque, par exemple, il s'est rendu compte qu'il avait péché et qu'il avait désobéi au Seigneur. Et puis ensuite, avec le péché est rentrée la peur de la mort, la peur dans la désobéissance. Et la crainte du Seigneur, c'est le respect qu'on a vis-à-vis du Seigneur. C'est cette sainte crainte qu'on peut avoir parce qu'on ne veut pas déplaire au Seigneur, un peu comme on ne veut pas déplaire à nos parents et qu'on veut rendre nos parents heureux. Et donc, c'est la même crainte aussi, même pas plus encore, parce que celle qu'on a vis-à-vis du Seigneur est encore plus profonde que celle qu'on a vis-à-vis de nos parents. Et la Bible dit que l'amour parfait, donc que celui qui est dans l'amour parfait, il n'est pas dans la peur. Alléluia. Il faut, en fait, le Seigneur est en train de t'amener à une certaine stabilité émotionnelle. Une stabilité dans tes sentiments. Il veut que tu dépendes de lui. Et c'est pour ça que tu te retrouves un peu confuse, comme le Seigneur a montré aux frères, tu étais dans un lac, etc. Un lac, tu t'enfonces dans un lac. Tu vois ? Parce que tous tes fondements sont ébranlés. Tout ce que tu croyais est ébranlé. Le Seigneur est en train maintenant de mettre un bon fondement. Il ne faut plus que tu sois dans ce lac d'émotions. Un jour, ça va, un jour, ça va. Non, le Seigneur, c'est le rocher. Alléluia. C'est le rocher des âges. Quiconque se repose sur ce rocher ne sera pas confus. La Bible dit qu'il est la pierre angulaire. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Jésus-Christ, Yeshua Mashiach étant la pierre angulaire, c'est lui qui édifie le bâtiment. On ne va pas dire au Seigneur, oui, mais comment tu es en train d'édifier le bâtiment que je suis ? C'est lui l'architecte, c'est lui le potier, il sait ce qu'il est en train de faire. Il faut se laisser faire. Et puis le Seigneur veut te donner une stabilité en Yeshua. Il ne veut pas que tu sois, une chrétienne émotionnelle qui à chaque fois un jour je pleure, le lendemain je ris. Ça c'est les choses qu'on avait dans le monde. Le Seigneur est en train de te faire passer par d'abord par un broyeur. Alléluia, c'est ça qui me vient. Donc il te broie, il te piétine parce que tu es sa glaise, tu es son argile pour pouvoir te façonner. Il doit d'abord piétiner. Alléluia. Le Seigneur, pour nous façonner, il va d'abord fouler aux pieds la glaise que nous sommes, la poussière que nous sommes. Comme un potier,
Il peut pas prendre le sable que tu es sans d'abord te piétiner. Le piétiner, c'est le jugement du Seigneur. Le jugement du Seigneur par rapport à nos vies, le jugement du Seigneur par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on croyait. Il écrase les vieux fondements, il écrase les vieuses choses. On écoutait plus les hommes, on écoutait plus nos parents, on écoutait plus le monde. Mais maintenant, le Seigneur veut qu'on écoute que lui. Il veut qu'on écoute que sa parole. Que c'est sa parole qui soit le fondement de notre foi et pas les hommes. Et pas notre philosophie ou ce qu'on a dans la tête. Et pour cela, il nous juge, il nous fait passer par le jugement. Les pieds représentent les pieds des reins. Ils représentent le jugement qu'il met dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on passe par ce processus où il nous écrase d'abord. Alléluia. Et ce n'est pas facile parce que ça travaille en nous. Il y a nos sentiments qui sont jugés. Il y a nos émotions qui veulent prendre le dessus. Mais le Seigneur veut t'apprendre à garder le silence dans l'adversité, à grandir tout simplement. Parce que, comment dire, la vie chrétienne, c'est fait de coups, c'est fait de combats, c'est des épreuves qu'on doit passer. Ensuite, il y a des oasis. Mais si on baisse les bras à la première épreuve, mais comment je vais passer de classe? Comment est-ce que je vais aller plus loin? So we have to be able to cope with it. On doit être capable de vivre avec ça. The Lord is watching our reactions. Le Seigneur regarde nos réactions. And he is putting us into the ground. Et il nous met par terre. And he is stepping upon us. Et il marche sur nous. With his foot. Avec ses pieds d'airain. With his feet. Avec ses pieds. And then with that ground that he has broken, et avec cette terre qu'il a brisée, he will be able to do something else. Il sera capable de faire quelque chose de nouveau. A vase. Un vase. Because you need to be stronger. Parce que tu as besoin d'être plus fort. Because plus fort. He wants to fill you. Parce qu'il veut te remplir. A vase. Un vase. Is to be filled. Doit être rempli. But you have to be filled with the Holy Spirit. Mais tu dois être rempli du Saint-Esprit. We have to be filled with the Word. Nous devons être remplis de la parole. That's why he chooses that moment to talk to your heart. Et c'est pourquoi il choisit ces moments pour parler à ton cœur. You know, a baby. Vous savez, un bébé. Or a young kid. Ou un jeune enfant. If he falls down. S'il tombe. And he scratches himself. Il se fait mal. But it's only a scratch. Et c'est simplement une petite égratignure. He will cry. Il va pleurer, bien Mommy, sûr. Mommy, daddy. Il va dire, papa, maman. Oh, I've been hurt. Ah, je me suis fait mal. But it's only a scratch. Mais ce n'est qu'une égratignure. And for us also, it is the same thing. Et pour nous aussi, c'est la même chose. Because when we are growing in Christ, quand nous grandissons en Christ, we are going to be scratched. Nous allons avoir des égratignures, des blessures. And we will think, oh, I am attacked. Et on va se dire, oui, je suis attaqué. Yeah, maybe. Oui, bien sûr. But it's only a scratch. Mais c'est une égratignure. What are you looking to? T'attends quoi? Tu regardes à quoi? You are looking at the size of the scratch, or are you looking at the size of your Elohim? Est-ce que tu regardes à la grandeur de ton égratignure ou bien tu regardes à la grandeur de ton Elohim? Because that's the problem when we are in those situations. Parce que c'est ça le problème quand nous sommes dans ces situations. We are looking at our own lives. Nous regardons nos propres vies. Our own struggles. À nos propres combats. But we are not looking to him that is able to take us from those situations. Mais nous ne regardons pas au Seigneur qui est capable de nous faire sortir de ces situations. After a while, this kid, après un moment, cet enfant will know that okay, that's only a scratch. I don't need to cry. Il sera cet enfant que bah oui, ce n'est qu'une égratignure. J'ai pas besoin de pleurer finalement. Because it only hurt, but for a time. Parce que ça fait mal, mais simplement pendant un moment. But we are all like this. Oh, mommy, daddy.
Et nous sommes là, nous pleurons. Oh, maman, papa. It's time to grow up. C'est le moment de la croissance. Alléluia. Alléluia. We have been through this. Nous sommes tous passés par là. Every one of us. Chacun de nous. We have to go through that suffering. Nous devons aller dans cette souffrance. If they say to you that come to Christ and you will be happy. Si quelqu'un te dit viens Yeshua et tu seras heureux. They told you wrong. Ils t'ont mal enseigné. Yes, you will have peace. Oui, bien sûr, tu auras la paix. You will have also joy. Oui, tu auras aussi la joie. But with persecutions. Mais tu auras toutes ces choses avec persécution. And persecutions comes from men. Et les persécutions peuvent venir des hommes. But comes also from our flesh. Mais elle viendra aussi de notre chair. From our thoughts. De nos pensées. From the devil. Elle viendra aussi du diable. So we have to be aware who we are. Et donc nous devons prendre conscience de qui nous sommes. Who are you? Qui es-tu? In Yeshua. Qui es-tu en Yeshua? Hallelujah. Hallelujah. It's so important. C'est tellement important. To be stable in the ground of the faith. C'est tellement important d'être stable et enraciné sur le rocher de la foi. The faith, la foi, will prevail. Va prévaloir par rapport à tout. Yeshua is the author of our faith. Yeshua est l'auteur de notre foi. And is also, et il est aussi, the consumer of our faith. Celui qui consomme cette foi. Wow. Qui consomme. So he gave us faith. Donc il nous donne la foi. And in this, at the same time, et en même temps, he eats that faith. Et en même temps, il mange cette foi. Il la consomme. So I will repeat. Donc je répète. Is at the same time the author of faith. Il est en même temps l'auteur de la foi. And at the same time the one who eats that faith. Et il est en même temps celui qui mange, qui consomme cette foi. Hallelujah. Hallelujah. That's strong. C'est très fort. So we can see in Hebrew 12. Verse 2. On peut voir dans Hébreux 12, verset 2. Looking unto Yeshua, the author, fixant les yeux sur Yeshua, l'auteur de la foi, and finisher of our faith, et qui l'amène à la perfection. Who for the joy that was set before him, en échange de la joie qui lui était réservée, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of Elohim. Il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône d'Elohim. So, I'm going to take also the version in Louis II, or maybe I can see Martin. Je vais prendre également la version de Louis II, bien plutôt Martin. Here we said it is the chief and the consumer of the faith. Dans Martin, on dit portant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. And then here in English is the finisher. Et là, en anglais, ils disent que le consommateur de la foi c'est le finisher. So a perfecter. Donc finisher, c'est celui qui rend les choses parfaites. Rend les choses parfaites. Who has in his own person raised faith to its perfection. C'est lui qui a emmené en fait la foi à ça au niveau de la perfection. And so set before us the highest example of faith. Et il a mis devant nous le grand exemple, le grand standard de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. La parole, Alléluia. C'est la parole de la vérité. La parole, Alléluia. Elle tranche. Elle nous amène dans la sanctification. Amen. Alléluia. Elle ne nous amène pas à la confusion. Ouais. Amen. La parole du Seigneur tranche et nous amène la vérité. Alléluia. On ne va pas être confus. Alléluia.
Merci, Amen. Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole Amen. Et pour ta, cette délivrance, Seigneur. Mm. Cette délivrance dans son âme, dans son cœur et dans son esprit. Alléluia. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Seigneur a un plan pour nous tous. Alléluia. La foi. Le Seigneur veut qu'on ait la foi. Pourquoi il nous fait passer ces épreuves? Les épreuves. The trials, the tribulations. Les épreuves. It's because we need. C'est parce que nous avons besoin. To grow up. De grandir. And our faith. Et notre foi. Needs to grow. A besoin de grandir, doit grandir. Without faith, we cannot please Him. Sans la foi, on ne peut pas lui plaire. It's impossible. C'est impossible. To please God. De plaire au Seigneur. To please Elohim without faith. De plaire à Elohim sans avoir la foi. Alléluia. Alléluia. Hébreux 11, verset 6. Verse 6. We can go to verse 1 and we'll go until verse 6. On commence même verset 1, Hébreux 1, verset 1, 11, pardon, verset 1. Now faith, or la foi, is the substance of things, est la substance des choses qu'on espère, hoped for, qu'on espère. For the evidence of things not seen. Et c'est une conviction de celle qu'on ne voit pas. For by it the elders obtained a good report. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of Elohim. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Elohim. So that things which are seen were not made of things which do appear. De sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. By faith Abel offered unto Elohim a more excellent sacrifice than Cain. Par la foi, Abel offrit à Elohim un sacrifice plus excellent que Caïn, et par elle, il obtint le témoignage d'être juste. Elohim testifying of his gifts. Parce qu'Elohim rendait témoignage de ses offrandes. So by which he obtained witness that he was righteous. Elohim testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaks. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. By faith, par la foi, Enoch was translated that he should not see death. Fut enlevé pour ne pas voir la mort. And was not found because Elohim had translated him. Et il ne parut plus parce qu'Elohim l'avait enlevé. For before his translation, he had this testimony that he pleased Elohim. Car avant son transfert, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Elohim. But without faith, or il est impossible, it is impossible to please him. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. For he that comes to Elohim, car il faut que celui qui s'approche d'Elohim, must believe that he is. Croit que celui-ci est, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alléluia. We have a lot of people who believes. Nous avons beaucoup de gens qui croient. They are believers. Ce sont des croyants. Even Satan and the demons are believers. La Bible nous dit que même Satan et les démons croient. Because they believe. Parce qu'ils croient. In your, they believe that there will be a end of this world. Parce qu'ils croient qu'il y aura la fin de ce monde. They were with Yeshua in heaven. Ils étaient avec Yeshua au ciel. They saw him as he is. Ils l'ont vu tel qu'il est. So they believe. Donc ils croient. And even people who are not Christians and they are atheists, et même ceux qui sont athées, they believe in something. Ils croient en quelque chose. Ils croient en quelque chose. They believe in nothing. Ils ne croient en rien. Because if you ask them, parce que si tu leur demandes,
Oh, what are you believing in? Alors, tu crois en quoi? Oh, in nothing. Oh, je crois en rien. So we believe in nothing. Donc, ça veut dire qu'ils croient, mais en rien. And a lot of Christians today, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, are believers. Ce sont des croyants. They believe. Ils croient. But they don't have faith. Mais ils n'ont pas la foi. Because they don't please Elohim. Parce qu'ils ne sont pas agréables à Elohim. Because they don't have faith. Parce qu'ils n'ont pas la foi. They believe because they go every Sunday to church. Ils croient parce que tous les dimanches ils vont à l'église. But they don't have faith. Mais ils n'ont pas la foi. Faith. La foi. It's not. A goal in our lives. A goal. La foi n'est pas un but. But dans notre vie. Faith, it's a mean. La foi est un moyen. Because we are saved. Parce que nous sommes sauvés. By the mean of faith. Par le moyen de la foi. Alléluia. Alléluia. So we are saved. Donc nous sommes sauvés. By the mean of faith. Par le moyen de la foi. Alléluia. Alléluia. It's a grace that the Lord has given us. C'est une grâce que le Seigneur nous a donnée. Ephésiens. Dans Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, Ephésiens 2, verse 8. Verset 8. For by grace are you saved through faith. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. And that not of yourself, it is the gift of Elohim. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Elohim. So we are saved. Donc nous sommes sauvés. By the true faith. Par, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. True faith. Par le moyen de la foi. And we are saved by grace. Et nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Alléluia. So, and that's a gift from Elohim. Et ça, c'est un don qui vient d'Elohim. So, the goal is to be saved. Donc, le but, c'est d'être sauvé. We need to be saved. Nous devons être sauvés. But we need something. Mais nous avons besoin de quelque chose. To be saved. Pour être sauvé. And that's faith. Et c'est la foi. Faith is in the center of our relation with Him. La foi est au centre de notre relation avec Lui. It's by faith that we can hear Him. C'est par la foi que nous pouvons l'entendre. It's by faith that you are waiting is coming. C'est par la foi que nous attendons sa venue. It's by faith that we pray for the one who are sick. C'est par la foi que nous prions pour ceux qui sont malades. It's by faith. C'est par la foi that we are waiting on him. C'est par la foi que nous attendons à lui. And this faith. Et cette foi needs to be put into test. Cette foi doit être testée, éprouvée. Alléluia. Alléluia. And the brother Peter is talking about these things. Et notre frère Pierre Petros nous en parle dans la Bible. That it is the faith is put into test by fire. Il nous dira que notre foi est éprouvée par le feu. 1 Peter. Donc 1 Pierre 1 7. Verset 7. Alléluia.
that the trial of your faith, afin que la preuve de votre foi, being much more precious than of gold that perishes, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, though it be tried with fire, mais qu'on éprouve au moyen du feu, might be found unto praise and honor and glory of the appearing of Yeshua Mashiach. Soit trouvé un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Yeshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. The trial of your faith. L'épreuve de votre foi. It's more precious than gold. Elle est plus précieuse que l'or. The gold is tried in fire. L'or est souvent éprouvé dans le feu. For the purity of gold make evident. Pour que l'or, la purification de l'or soit évidente. Alléluia. Mm-hmm. We have been the gold has to melt down. Donc l'or doit en fait se fondre en fait par le feu. And put into the fire. Et donc elle doit être, l'or doit passer par le feu. And then we can see the pure gold. Et ensuite, c'est alors qu'on pourra voir la pureté de cet or. And then we call this gold, this gold is 92%, 95%, 99% pure. Et c'est là qu'on peut dire, cet or-là est 90% pur, 80% pur. But before it has to be tried in fire. Mais avant toute chose, il faut que cet or soit éprouvé dans le feu. Thank you, Mary, for another verse that you have been given. Merci, Marie, pour un autre verset que tu nous as donné. Alléluia. Alléluia. I think it's 1 Peter. Verse 9. Thank you, Lord. Receiving the hand of your faith. Obtenant le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi. Even the salvation of your souls. So you can see here that the goal of the faith. Donc là, nous pouvons voir que le but de la foi. It's the salvation of our souls. C'est le salut de nos âmes. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Faith. La foi. The Lord is asking the disciples. Le Seigneur demande aux disciples. In Matthew 24. Dans Matthieu 24. And we're going to go on there. Et nous allons aller chercher ce passage. When the Son of Man will come. Quand le Fils de l'homme viendra. Will it find faith? Trouvera-t-il les hommes debout dans la foi? Alléluia. Alléluia. When the Son of Man will come back. Quand le Fils de l'homme viendra. We shall he find faith. Trouvera-t-il la foi? We are living in a society. Nous vivons dans une société. Where faith. Où la foi. Has been taken away from our hearts. A été enlevée de nos cœurs. In our churches. Dans nos églises. In our schools. Dans nos écoles. In the constitution of our countries. Dans les constitutions de notre pays. Faith has been taken out. La foi a été mise dehors. It has been taken out from the heart of man. La foi a été ôtée du cœur de l'homme. We put more confidence in vaccines. On a plus confiance dans les vaccins. In doctors. Dans les docteurs. In technology. Dans la technologie. In internet. Dans internet. In human wonders. On met plus la confiance dans les merveilles des hommes. And faith. Et la foi has pretty much disappeared. La foi a quasiment disparu. Alléluia. Alléluia. Faith, la foi has enemies. A des ennemis. Doubt is the enemy of faith. Le doute. C'est un ennemi de la foi. It's not normal to doubt every time. Ce n'est pas normal de douter tout le temps. It happens. Ça arrive. Because we are in a struggle, in a battle. Parce que nous sommes dans un combat. But. Mais. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. That doubt is the enemy of faith.
que le doute est l'ennemi de la foi. And the more you are with the Lord, le plus tu es avec le Seigneur, the more doubts are starting to get away from you. Le plus les doutes s'évanouissent et s'en vont loin de toi. Alléluia. 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 So faith, donc la foi, has enemies. A des ennemis. Luke 18:8. Dans Luc 18, 8, verset 8. I tell you that he will avenge them speedily. Je vous dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. Nevertheless, mais quand, when the Son of Man comes, shall he find faith on the earth? Mais quand le Fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Fear is the enemy of faith too. La peur également est l'ennemi de la foi. Don't you see? Est-ce que vous ne voyez pas? This terror climate that you have been to in 2 years, 3 years. N'avez-vous pas vu ce climat anxiogène de terreur qu'on on a passé pendant toute cette année? Ces années? We were so afraid of dying. Nous avions tellement peur de mourir. That we were ready to do anything. Nous étions prêts à faire n'importe quoi. Shall the Son of Man find faith on earth when we will come back? Est-ce que le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra, il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? The question. La question. When he will come, it's only a rest. La question, c'est qu'il n'y aura qu'un reste. That will be taken. Qui sera enlevé. Faith has disappeared. La foi a disparu. Because men have been taught wrongly. Parce que les hommes ont été enseignés d'une mauvaise façon. If you go to the churches today, a lot of them, they live in sin. Si tu vas dans beaucoup d'assemblées, tu vas voir que les gens vivent aisément dans le péché. Because faith. Parce que la foi. Is a mean to be saved. Est un moyen pour être sauvé. And we know that grace, et nous savons que la grâce, will teach us, va nous enseigner, to renounce, à renoncer, to hallelujah, hallelujah, to renounce to sin, à renoncer au péché, to renounce to this worldly life, elle nous aidera à renoncer à ce à cette vie mondaine. How can you tell if someone has faith? Comment peux-tu dire que quelqu'un a la foi? It's not because he paid the tithe every month. C'est pas parce qu'il paye la dîme chaque mois. Or he goes to church every Sunday. Ou il va à l'église tous les dimanches. And he dresses pretty. Ou il s'habille bien. To impress others. Parce qu'il a envie d'impressionner les autres. Even if he is giving money to the poor. Même s'il donne l'argent aux pauvres. Someone who has faith. Celui véritablement qui a la foi. It's someone who will obey his commands. C'est celui qui obéira à ses commandements. Yeshua told the disciples. Le Seigneur Yeshua dit à ses disciples. That the one who hear me, who hear my commands and put them in practice, is the one who loves me. Il dira que celui qui entend mes commandements et les pratique, c'est celui-là qui m'aime. Someone who has faith, la personne qui a la foi,
will live every day with the fear of the Lord in his heart. Vivra tous les jours avec la crainte du Seigneur dans son cœur. It will be a disciple. Et il sera un disciple. A disciple is someone who is disciplined. Un disciple, c'est celui qui est discipliné. He wakes up in the morning. Il se lève le matin. He thinks about the Lord. Il pense au Seigneur. He is doing his work. He thinks about the Lord. Il fait, même pendant qu'il fait son travail, il pense au Seigneur. When he's taking care of his child, he prays in his heart. Et quand il s'occupe de ses enfants, il loue le Seigneur dans son cœur. He doesn't have to force. Il ne force pas les choses. Because the Lord has given him. Parce que le Seigneur lui a donné. The power to be children. Le pouvoir of Elohim. D'être enfant d'Elohim. And he wants to live this holy life. Et il veut vivre cette vie sainte. For him, it's not difficult. Et pour lui, c'est pas difficile. Because he likes this life. Parce qu'il aime cette vie. He wants to be in the presence of the Lord every day. Il veut être dans la présence du Seigneur tous les jours. Because he has faith. Parce qu'il a la foi. And his faith. Et sa foi. Will make him go and climb mountains. Sa foi va l'emmener pour gravir des montagnes. He will cast away mountains. Il va chasser les montagnes. And those mountains will go into the lake. Et ces montagnes se jetteront dans les lacs. Will go into the to the sea. Et ces montagnes se jetteront dans la mer. Alléluia. Alléluia. Without faith, sans la foi, it's impossible to please him. C'est impossible de lui plaire. James, is saying that if someone lacks knowledge, Jacques dit si quelqu'un lui manque la connaissance, lacks wisdom. S'il lui manque la sagesse, that he must ask with faith. Il faut qu'il la demande avec la foi. Alléluia. Alléluia. Because if he doesn't ask with faith, parce que s'il ne la demande pas avec la foi, then he's like a man with two hearts. C'est dans ce cas-là, ça devient un homme avec un cœur partagé. Alléluia. Alléluia. And I find that everything in our Christian life is to ask with faith. Et moi j'ai trouvé que tout ce que nous devons avoir dans le Seigneur en Christ, il faut le demander avec la foi. Marriage. Le mariage. I had to ask with faith. Je dois la demander avec le foi. Stability in my Christian life. La stabilité dans ma vie chrétienne. I had to ask with faith. Quand je le pose, je demande au Seigneur, je demande avec la foi. J'ai dû demander. Ah, j'ai dû le demander, pardon, avec la foi. Holiness, I had to ask with faith. Mais la sainteté que j'ai demandé au Seigneur, j'ai dû la demander avec la foi. Self-control, I had to ask with faith. La maîtrise de soi, j'ai dû la demander au Seigneur avec la foi. To prophesy, I had to ask with faith. Pour prophétiser, j'ai dû demander aussi au Seigneur par la foi. To speak in tongues, I had to ask with faith. Et quand je demandais de parler en langue, je l'ai demandé aussi avec la foi. To understand the word of Elohim in deepness, I had to ask with faith. Pour que je puisse comprendre la parole avec profondeur, j'ai dû le demander avec la foi aussi. When I wanted to preach the gospel outside, I had to ask with faith. Quand je devais prêcher dehors dans la rue, j'ai dû le demander avec la foi. When I had to pray the first time to someone for this person to be healed, I had to ask with faith. Et quand j'ai dû guérir une personne, j'ai dû le demander aussi avec la foi. When I had to struggle and fight those thoughts in my mind, I had to ask with faith to cast them away. Et quand j'ai dû demander à ces pensées mauvaises de partir et d'être chassé, j'ai dû le demander avec la foi. When I had my firstborn, I had to ask with faith. Quand j'ai eu mon premier-né, mon fils, j'ai dû le demander avec la foi.
Hallelujah. Hallelujah. For my studies. Pour mes études. I had to ask with faith. Je dois demander toutes choses avec la foi. For my work. Pour mon travail. I had to ask with faith. Je dois le demander avec la foi. For everything that I do in this life, I had to ask with faith and I have to ask with faith. Et pour tout ce que je fais dans ma vie, je dois le demander avec la foi. Hallelujah. Hallelujah. To be more humble. Pour que je sois plus humble. To forgive. Pour que je puisse pardonner. For racism to be out of my life. Afin que le racisme soit en dehors de ma vie. To be a children of Elohim that will obey him. Afin que je sois un enfant d'Elohim qui va l'obéir. To be a good husband. Afin que je sois un bon mari. To be a good son. Afin que je sois un bon fils. To be a good worker. Un bon travailleur. To be a good man. Pour être un bon une bonne personne. I had to ask with faith. Je dois demander par la foi. And I'm still asking with faith. Et je continue tous les jours à demander par la foi. Hallelujah. Hallelujah. And every time I ask with faith. Et à chaque fois je demande avec la foi. And every time I asked with faith, the Lord heard my prayers. Et à chaque fois que je demande ces choses par la foi, le Seigneur entend mes prières. Yes, sometimes I couldn't speak. Oui, bien sûr, il y a des moments où je n'arrivais pas à parler. Yes, sometimes I couldn't tell the Lord what I had in my heart. Oui, des fois, je ne savais pas exprimer ce que j'avais dans mon cœur. But I know that the Lord is it already in my heart. Mais je sais que le Seigneur vit déjà dans mon cœur. And every murmur that I have in my heart, he can hear it. Et tous les soupirs inexprimables que j'ai dans mon cœur, il peut les entendre. Alléluia. Alléluia. We have to ask with faith. Nous devons demander par la foi. We have to live by faith. Nous devons vivre par la foi. Hallelujah. Hallelujah. That's how we will please Elohim. C'est comme ça qu'on sera agréable à Elohim. That's how we will be made perfect. C'est comme ça qu'on sera rendu parfait. Because he has shown us the way to do it. Parce qu'il nous a montré la façon de le faire. Hallelujah. Hallelujah. Faith is a powerful tool in our lives. La foi est un outil par puissant dans nos, entre nos mains. It's dans nos by vies. Faith that we are saved. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Don't forget those things. N'oublie jamais ces choses. There are three types of faith. Il y a trois types de foi. The faith salvation. La foi du salut. That faith you have received when Joshua came into your life the first day. Ça c'est la foi que tu as reçue la première fois que tu as donné ta vie au Seigneur. And the Lord has given you the helmet of salvation. Le Seigneur t'a donné le casque du salut. Alléluia. Alléluia. The faith of salvation. La foi salut. Oh, alléluia. Alléluia. It's by this faith that you believe that you will go to eternal life. C'est par cette foi-là que tu as cru que tu allais aller dans la vie éternelle. It's by this faith that you live. Et c'est par cette foi que tu vis tous les jours. Alléluia. The righteous will live by faith. Le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. 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 Luther was asking to be saved. Un homme, Luther, demandait d'être sauvé. And when he heard, when he came to this word that the just, the righteous will live by faith. Et il est arrivé sur cette parole où il est écrit « Le juste vivra par la foi ». And that changed everything in his heart. Et ça a tout changé dans sa vie. It changed everything in his heart. Ça a tout changé dans sa vie. Because he was looking for salvation. Parce qu'il recherchait le salut. And he couldn't get it from the Catholics. Et il ne pouvait pas le trouver du catholique. He was slapping himself. Il se comment dirais-je, il se frappait, fouettait lui-même. He was whipping himself. Il se fouettait. Because he wanted to be absolved. Parce qu'il voulait être absous. But everything he was doing by his flesh couldn't save him. Et tout ce qu'il faisait par la chair ne pouvait pas le sauver. And then he realized that he can only be saved by faith. Alléluia. Et au final, il s'est rendu compte qu'en réalité, il ne peut être sauvé que par la foi. Alléluia. Alléluia. And not by works. Et non pas par les œuvres. Oh, alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. The faith of salvation. La foi salut. Alléluia. Alléluia. Then there is this, the faith gospel. Et ensuite, il y a la foi
qui est l'évangile. Alléluia. Alléluia. The faith gospel. La foi évangile. I pray the I think it's the apostle Paul says that or I think it's Jude that the faith has been given once and for all to the to men and women. Je crois que c'est Jude qui dit que la foi qui vous a été transmise une fois pour toutes. Oh, alléluia. Alléluia. The faith, the gospel. We have to fight for that gospel that the Lord has given us. La foi, l'évangile. Nous devons combattre pour cet évangile-là, cette foi que le Seigneur nous a donnée. Oh, alléluia. Thank you, Lord. Alléluia, the faith, Seigneur. Gospel. La foi, évangile. Alléluia. And so it's the gospel that the Lord has given us. Et donc, c'est l'évangile que le Seigneur nous a donné. We cannot corrupt that faith. We cannot corrupt that gospel that has been given to us. Ouais, on ne peut pas corrompre en fait cet évangile qui nous a été transmis. Alléluia. Alléluia. Oh, thank you, Lord. Merci, Seigneur. And it's Jude 3. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. C'est Jude 3. Le livre de Jude 3. Verse 3. Jude 1, verset 3. Il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation. Bien-aimé, je le fais en toute hâte en vous écrivant au sujet de notre salut commun. It was needful for me to write unto you. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire. And exhort you that you should earnestly contend for the faith, afin de vous exhorter à combattre pour la foi, which has once delivered unto the saints, qui a été donné une fois pour toutes aux saints. Alléluia. Alléluia. So he's asking us to contend, to battle for the faith. Donc il nous exhorte à combattre pour la foi. That was once delivered unto the saints. Qui a été donné une fois pour toutes aux saints. Because by the time of Jude, there were people already contending the faith. Parce qu'à l'époque de Jude, il y avait des gens qui combattaient la foi. And we can see also today people who are contending our faith. Et aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de gens qui combattent la foi. Alléluia. Alléluia. Oh, thank you, Lord. Merci, Seigneur. And then we have the faith. Et en dernier, nous avons la foi. Gift of Elohim. Qui est le don de Elohim. Alléluia. Alléluia. The faith that we'll find in 1 Corinthians 14. C'est la foi que nous allons trouver dans 1 Corinthiens 14. And it's a gift. Et c'est un don. It's a gift to believe in the miracles, in the impossible. C'est un don qui nous permet de croire à l'impossible, au miracle. Alléluia. Alléluia. And we as the people of the Elohim. Et nous personnes, les bien-aimés d'Elohim. We have to have faith. Nous devons avoir la foi. If you believe in the rock, si tu crois au rocher. Si tu crois au rocher, then you hallelujah, thank you Lord, and we're gonna go to that verse. Alléluia, merci Seigneur, nous allons partir vers ce verset. Chercher ce verset. It's Joshua who is speaking. Et c'est là où Joshua était en train de parler. And he's saying that whosoever will hear my word and put it into practice will be like a house that is built upon the rock. Il dit, quiconque écoutera ma parole sera telle qu'une maison qui est bâtie, non pas sur le sable, mais sur le roc. Oh, alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Matthew 7. Matthieu 7, verset 24.
Therefore, whosoever hears these sayings of mine and does them, c'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, I will liken him unto a wise man. Je le comparerai à un homme prudent. Which built his house upon a rock. Qui a bâti sa maison sur le rocher. And the rain descended. Et la pluie est tombée. And the floods came. Et les fleuves sont venus. And the winds blew. Et les vents ont soufflé. And beat upon that house. Et se sont précipités sur cette maison. And it fell not. Et elle n'est pas tombée. For it was founded upon a rock. Parce qu'elle était fondée sur le rocher. Alléluia. Alléluia. And everyone that hears these sayings of mine. Mais quiconque entend de moi ces paroles. And does them not. Et ne les met pas en pratique. Shall be likened unto a foolish man. Sera semblable à un homme insensé. Which built his house upon the sand. Qui a bâti sa maison sur le sable. And the rain descended. Et la pluie est descendue. And the floods came. Et les fleuves sont venus. And the winds blew. Et les vents ont soufflé. And beat upon that house. Et se sont abattus contre cette maison. And it fell. Et elle est tombée. And great was the fall of it. Et sa ruine a été grande. Alléluia. Alléluia. So we have to listen. Donc nous devons non seulement écouter. But not only listen. Mais pas seulement écouter. But practice the word. Mais pratiquer la parole. Alléluia. Alléluia. So then our house will be founded upon a rock. Ainsi notre maison sera bâtie sur le roc. Alléluia. Alléluia. It's easy to listen. C'est facile d'écouter. But it's more difficult to put in practice. Mais c'est plus difficile de mettre en pratique. We have to do both. Nous devons faire les deux. You can see, for example, Herodotus. Vous pouvez voir, par exemple, Hérode. He liked to hear John the Baptist. Hérode aimait beaucoup écouter Jean-Baptiste. He had great pleasure in hearing him. Il aimait beaucoup l'écouter. But that didn't impeach him or it didn't stop him into killing him. Ça n'a pas empêché en fait de tuer Jean-Baptiste. Hein. But he was listening. Mais pourtant il l'écoutait. But he didn't practice. Mais il n'a pas pratiqué ce que Jean-Baptiste faisait. Alléluia. Alléluia. He couldn't practice the word. Il ne pouvait pas pratiquer la parole. We will have rain. Nous aurons des pluies. The floods. Des inondations. The winds. Des vents. They will beat upon that house. Et ils viendront pour frapper sur cette maison. You can see in the book of Job. Vous pouvez voir dans le livre de Job. That the wind came and the house that was where his sons were into, it fell upon them. On voyait bien dans le livre de Job que le vent venait et avait brisé en fait la maison dans laquelle étaient ses enfants. Ses enfants sont morts. And we know that those rain and floods will come from the evil. Et nous savons très bien que ces pluies et ces vents viendront du diable. But when the rain and the flood will come. Mais lorsque les fleuves et les vents viendront, if your house, si ta maison, if yourself, si ta personne is based upon the rock, est bâtie sur le roc, then your house donc, will stand. Ainsi ta maison tiendra ferme. If your faith is upon the Lord, si ta foi est basée sur le Seigneur, even if there is winds outside, même s'il y a des vents dehors, he will not take care of those winds. Il ne prendra même pas compte de ces vents-là. Because you will, your focus will be upon the Lord. Parce que tu seras focalisé sur le Seigneur. Upon the rock. Et tu seras sur le rocher. He is the master of the circumstances. Il est le maître des temps et des circonstances. And circumstances. Le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. The Lord is in control. Le Seigneur est au contrôle. He is in control of everything that you are passing through. Il est au contrôle de tout ce que tu es en train de passer en ce moment. Alléluia. Alléluia.
everything. Tout ce que tu passes en ce moment comme. The Bible says that everything concur to the good of those who believe. La Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime le Seigneur. That all those who love the word, the Lord. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. So everything. Toute chose. Everything. Donc toute chose quoi. Alléluia. Alléluia. Even when your colleague speaks bad for to you. Même lorsque tes collègues parlent mal de toi. Even where they despise you. Même lorsque les gens te méprisent. Alléluia. Alléluia. There is something that the Lord is doing in your soul. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire dans ton âme. Alléluia. Alléluia. Let us pray. Prions. In Yeshua's name. Dans le nom de Yeshua. Thank you, Lord, for everything that you do. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. We thank you for super, this time. Nous te remercions pour ce temps, Seigneur. We thank you for everything that you do in our lives. Nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies. Thank you, Lord, for the salvation that you have given us. Merci pour le salut que tu nous as donné, oh, Seigneur. Oh, thank you, Lord, for everything. Merci pour toutes choses, Seigneur, Père. We thank you, Lord, for the word that you have given us today. Nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée ce soir. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Thank you for everything. Merci pour toutes choses. You are holy. Tu es saint. You are holy. Tu es saint. And we want to be holy. Et nous voulons être saints comme toi. Oh, we want you to give us your wisdom. Nous voulons que tu nous donnes ta sagesse, oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh Lord. Oh, Seigneur. Merci, nous avons Seigneur. Tellement besoin de toi, merci. Seigneur. Merci, Père. Alléluia, Seigneur, Père de gloire. Oh Seigneur, nous te remercions, Seigneur, Père de gloire. C'est ta parole. Alléluia, Seigneur. Et ta parole soit glorifiée, Seigneur. Seigneur. Sois magnifié, Papa. Des effets. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, Seigneur. Oh, Père. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ta parole est puissante, Seigneur. Tu as dit ta parole déjà nous.